Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte, j'irais, dans nos habitudes, puisqu'on va découvrir un jeu de survie médiéval. Il est sorti sur Steam, je l'ai complètement loupé, bizarrement, en 2016, donc il y a après un an. Je me décide à le présenter aujourd'hui, puisque j'ai vu qu'il était mis à jour encore 2 fois la semaine, ce qui est assez rare. Apparemment, donc un jeu qui semble être toujours en développement, pas abandonné. Donc, il coûte 19,99€. On va le tester ensemble, et on verra ce que ça donne. Voilà. Beaucoup de serveurs, mais beaucoup de serveurs vides. 3, 3, 2, 1, 2, 2, 0, 4. Il y a un peu de monde quand même. Bah, on va se passer à chier, on va essayer le plus de monde. Parmi ceux qui sont en Europe, en tout cas. On va dire bonjour à nos amis allemands. Donc, c'est une découverte totale, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. J'espère que ça va pas ressembler de trop à Life is Feudal. J'ai pas envie de passer des heures à couper du bois. J'ai déjà le Lyon pour ça, alors. On va pas non plus en faire un jeu. Alors, Name Redraven. Non, c'est bien. Je suis un garçon. Je suis une fille. Moi, je suis un garçon. Je suis un mendiant. C'est bien ça. Après, je pense qu'on peut débloquer pas mal de choses. Chevalier, milice, marchand, chasseur, bandit. Ah ouais, d'accord, le truc. Bon, pas mal. Ok, voilà. Ben, il fait nuit. Je peux pisser. Je peux pisser. D'accord, je peux pêcher. Bonjour, monsieur. Ah bah j'ai fait la manche, ça a marché, il m'a filé 1 dollar. Ok, c'est pour mon inventaire. Mon talent. Ok. Craft, ok. Petit peu maison, bah non, je me doute bien. XPCO. La carte, c'est quoi la carte? IC, c'est quoi quoi IC? Casse à tous. C'est quoi IC? On va regarder dans les settings, ça doit être plus parlant. Semi-colonne. C'est quoi ce bordel? Bon, on va la remettre nous-mêmes la carte. On peut pas. Nice. C'est dommage. Comme touche. Le point virgule, bah ça j'ai essayé le point virgule. Ah bah non. Est-ce que ça me dit où je suis? Non. D'accord, bon. La sensibilité est trop forte.
Je me sers de ça fait rien. Ok, bon, c'est pas rendu. J'avais pas appuyé sur une torche. Cette histoire. Bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu de survie. On se retrouve vraiment dans notre, je dirais, domaine habituel. Donc ce jeu s'appelle The Black Death. Je l'ai complètement loupé, il est sorti en 2016, je passais complètement à côté. Je me suis de vous le présenter aujourd'hui puisque j'ai vu que c'est un jeu qui était toujours mis à jour, environ 2 mises à jour la semaine. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc j'ai lancé il y a peut-être 5-10 minutes, je suis en train de tester un petit peu ce qu'il en est pour les... Pour la jouabilité, je découvre un petit peu, voilà, mon personnage. J'ai vu qu'on peut faire plusieurs métiers, donc on commence forcément mendiant. On a du craft, ça c'est mon arbre de talent. On peut pencher pour voir mon arbre de talent. Oh, pas mal de choses. Moi j'ai pas de points, donc ok. Donc je découvre, hein, je viens de lancer à l'instant. Coup de bol, le jour se lève. Bon, j'ai mis le jeu en épique, j'étais un petit peu optimiste. Ah bah j'ai gagné un skill point. C'est pas dit. C'est parce que j'ai passé une journée. Voilà, jour survécu 1, hein, parce que j'ai spawn de nuit en fait. On va commencer à faire
va faire du bois, c'est normalement, c'est quand même la base. Ok, non, c'est pas besoin, c'est savoir ce que je sais crafter là, ok. Tools. Donc voilà. Enfin, ça, il me faut un stick, un petit rock et de la ficelle, d'accord. Ok, et donc mon inventaire, il est où mon inventaire? J'ai une tour à charger et. Des bandages dégueulasses, d'accord. On s'est heureux à ramasser, on rentre vraiment du life is feudal. Je peux taper? Non. Trop violent, c'est ça? Et maintenant je vais me crafter une arme. Bah il me faut un stick, ok. J'ai mon stick souvent dans les buissons, on les a. Je vais faire des sticks. Ah, c'est amusant un joueur ça. Oui, avec un code, ok, bon bah voilà. Oh, un loup. Bah, vu que j'ai pas d'armes pour l'instant, voilà quoi. Là j'ai mis le jeu en épique, c'est peut-être trop bon mon PC. Donc j'ai ma faim, j'ai ma soif à droite, je commence déjà à avoir faim et soif. Et boire dans l'eau c'est possible? Non, d'accord. Tout ça semble logique que ça puisse, mais manifestement non. Je crois que je vais trouver des brindilles, moi. J'ai pas de quoi me battre si j'ai pas d'armes, pas de coups de poing. Ça n'a pas l'air. Left. Ouais, clic gauche, ouais. Non, se battre à main nue n'est pas une option. Peut-être pas de me serrer les mains. Peut-être. Non, on a quand même des points. Bloquer une nouvelle recette, par exemple une arme. Ah non, il faut deux points, ah bah, comme par hasard.
on va attendre d'avoir un deuxième point. Le problème c'est qu'il est même fait affecter par le loup, moi, avec ses conneries. J'ai rien pour me défendre. Full stick. Ah, voilà. D'accord, mais comme il n'y a pas de bonne qualité, rien ne me dit que ça va être. Ouais. Voilà. Viens te battre, le loup. Un peu trapu, mon personnage. C'est parce que c'est un mendiant, c'est ça? Ah, j'ai un petit. Je pense que je vais me faire tuer par le loup. Ah, encore un stick, ok. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, tout pourrave, mon perso, en fait. J'ai toujours faim, j'ai 71 en eau, mais je suis pas monté du tout en faim, 38. J'ai trouvé du miel aussi. C'est une 16, 39, ouais, j'en monte pas vraiment. Bon, allez, le loup, allez! Je vais me faire défoncer par un loup. Ça va être pas fort. Je prends tout, moi. Oh. Attends. Qu'est-ce que je peux en virer? Ça peut rien porter, hein. C'est quoi ce. Voilà. Il va y avoir une sorte de vendeur sur le bateau, je vais aller voir. Peut-être qu'il y a une interaction quelconque avec. Je peux lui vendre, moi? Ah si, je peux vendre, nice. Ah, c'est pas mal, ça. En fait, tout ce que je ramasse, je peux lui revendre. En fait, pas avoir l'impression de bosser pour rien, quoi. Pour que son argent descend. Ouais, c'est pas intéressant. Je vais vendre mon... tout ce que j'ai dans le loup. Comme ça, moi derrière, ça permet de porter plus, de pas être trop chargé. Donc autant pour y jouer, lui vendre. Ça aussi. Ah, mes rocs, ils sont rares, donc.
je passe par des plus, ce serait bien. Peut-être que je peux me faire un sac après, on verra. T'as pas un sac à bande, mec? Non. Ok. C'est pas grave. C'est bien d'avoir un vendeur, c'est un but, quoi. Pas notre loup à tout hasard, non? Moi je le défonce quoi, maintenant. Alors. Ouais. Bon, je vais peut-être prendre le chemin de forêt. Ah, déjà, je vais arriver par là ou par là? Allez, par là. Putain, j'ai faim, fais chier, faut que je mange, je dois racheter un truc tard de prix au vendeur, tu vois. Les champignons et les baies, ça m'a pas soigné, quoi. Bon, bah, allez, tant pis. Hein. Je vais vendre mes piécettes, oh non! Je suis mendiant, donc je peux réclamer de l'argent, c'est mon métier. Peut-être que ça marche fort. Bon bah je prends du pain. Putain, cher. Ah, je me suis ruiné. Attends, j'ai plus que 19 et j'ai les soins aussi. Pareil, je vais être... Encore des petites... Bon, j'ai dû vendre mes cailloux rares. Ça vaut rien, on fait toujours une pièce, super. Il y a déjà le roi du pétrole, quoi. Ouais, c'est 18 pourriques. Non, mais ça va aller. Ah, ça me donnera un peu de bouffe, ça. Bon, je montre. J'ai 14 en bouffe, donc là il y a urgence. Son cheat, c'est mieux. Bon. On va prendre notre chemin. Déjà ? Le mec il va rien porter quoi. J'ai pas clothing, non ? Je peux faire des sacs à tout hasard ? Non, d'accord. Ouais, la limite, la cookfish, ouais. Alors ça j'ai essayé, il me faudrait de la ficelle, mais la ficelle il doit falloir sûrement un truc pour la crafter. Il faut du thread pour l'avoir, il faut du coton. Et du coton normal. Ok, bon il y a du boulot quand même. Là on cherche du coton. C'est le coton non? Non c'est des champignons ça. Oh oui, c'était rare, ça c'est de coton.
Enfin, du coton normal. Coton. Je suis désolé, il faut que je la fasse. Ça va être coton d'en trouver. Voilà, voilà. Comment l'empêcher? Je suis désolé. Mec de merde, je réussis jamais. Putain, mais il y a que du coton pourri, quoi. Mais il y a des gens là. Ah, 3 poids. Ça m'en donne un peu d'eau, ça, donc j'en bois. Je vais les prendre. Je me suis fait tirer dessus, sérieux? Non. D'accord, les rares, ils sont. Les champignons sont dégueulasses, merde. Plantation de coton, d'accord. Du miel, bah ouais, je vais utiliser de façon foutue pour foutue. Pourquoi je suis rouge comme ça? Bonjour monsieur. Des PNJ manifestement. Petite pièce, non? Non. Welcome. Be vigilant, citizen. D'accord, je vais pas lui parler. Je vois comme mon écran est rouge comme ça, je sais pas ce qui se passe. Manifestement, je suis pas très en forme, pourtant ma vie, je suis à moitié quand même. Ah, des graines de coton, j'en trouve, mais. Une ville peut-être ? Ouais. Avec le meilleur jour, je dirais. Ah oui. Je suis dans la capitale. Ouais. Tout est pourri. Il y a bien eu des problèmes dans cette ville. Il y a un théâtre, tout est fermé quoi. Bonjour les personnes. Ah c'est parce qu'il fait nuit peut-être. Non. Pas rentrer, vous êtes sûr? Ah ouais, quand je suis mort de la peste, manifestement, parce qu'il y a des corps partout. Ok. Ah, un stick de bon état. Du coup, je vais virer ça. Je vais en faire un de meilleur état. Ah ouais, nice. Pourquoi je vous remets en rouge comme ça je perds de la vie? Pas l'impression. Comment je ressors? Ah ouais? Bon tant pis, on verra bien. Ah bah il y avait des choses, je tiens. Ah, ma torche est cramée, d'accord, j'ai plus de torche. D'accord. Oh, full torche, ouais, il est là.
Ah, mais ça marche aussi avec le coton pourri. Bah voilà. Ah, bah j'aurais pas dû jeter mon coton pourri, il fait chier. Ah, ça parle dans le chat, c'est cool. Le jeu peut être en AZERTY, hein. Je l'ai laissé en QWERTY, mais... Bon, retourne au bateau, d'accord. Je commence à avoir soif, très soif. Putain, il y a plein de morts partout, quoi. Ouais, alors un campfire, bah, je veux bien, mais vous avez vu des campfires, vous? Ah, la marche est haute. Ça a l'air assez grand quand même. C'est la carte. Ouais, ouais, ici ça a l'air très grand même en fait. Soif. Ouais, ça va le faire par exemple dans le bateau. Ouais, j'ai passé une nouvelle nuit. Je portais 10 poids, ah voilà, je portais plus lourd et tout. Je deviens plus résistant, d'accord. Brink, mais je vois bien Brink, mais je peux être feu de camp alors. Si. On va voir si c'est ça. Oui, il y en a un feu. Non, ça compte pas comme un feu de camp, ça. Manifestement, non. Bon, bah je vais boire l'eau pourrie. Allez, adine tu pourras. Ouais, je suis empoisonné à 16%. Vous voyez ce que je me souviens qu'en haut, c'était l'empoisonnement à droite. Ça va pas fort, quand même. Busy.
T'as rien à boire? Je vais vendre mes champignons. Good to see another person on the road. Ça s'est empoisonné aussi. Non, je vais vendre ma ficelle. Bon, moi je suis plein de pommes quoi, en ce modo. Make it quick, I'm busy. Il a pu. Ah. Quand même mieux. Déjà, est-ce qu'il y a un truc pour m'apprendre à faire un feu de camp? Bah oui, ça va déjà dans mon début. Pour équilibrer, c'est pas mal, il a pas mal de choses. Bon, je suis quand même pas très en forme, j'essaie de m'utiliser les bandages pourris, on va voir ce que ça donne. Je les ai plus, d'accord. Je me souviens de les avoir revendus, mais bon. D'accord. Bon, ok, hein, je discute pas. These are dark times, friend. Je vais bien remonter pas, bah non. Bon, encore que c'est la graine, je sais que me vient remonter automatiquement. Ouais, 30 pour la salade. C'est pas encore assez là. Interested in buying something? Good to see another person on the road. I've got things to sell if you have the gold. Bon, je suis pas très riche, mais. Bon, j'ai ni faim, ni soif. Plein de coton là? Non? C'est coton ça non? Ah non? Ok, dommage.
Ça m'embête de m'éloigner du bois parce que j'aurais bien ramassé pour ça, c'est du coton. Ça. Ouais. Mais des graines de coton, fondamentalement, j'en veux pas en fait. Les planter mes graines de coton. Non, drop. Bah pour l'instant, on va les drop. Hein. Ça me pèse du poids pour rien. Ok. J'ai ramassé du coton. Et une ficelle maintenant. Et encore un point de débloquer. Très bien. Learn to craft un symbole. Et je suis un bah écoute, apprends ça. Il me faut quoi pour faire des bandages pourris là? Du coton. Ok. Tout est la base en fait, c'est la base du jeu le coton. En fait, quoi que je fasse, ça me fait de l'XP en fait. Après, il y a une deuxième maison derrière sur mon autre joueur. Il y a un loup surtout. Bah, il y a de m'avoir vu donc. Ok. Ça va qu'il était pas trop fort. Il ouvre la porte de la maison? Ah non, il est fermé. C'est sympa de pouvoir faire sa baraque où, entre guillemets, t'es sécurisé quoi. Je ne vais pas boire de l'eau quand même. Ah bah si, je l'ai ramassé. Bon. Ça, les loups sont pas un gros problème, heureusement. Est-ce qu'il y a des gars aussi là-dedans ? Voilà, pour faire du médical, il m'en faut combien? Un seul. Ok. Alors, je suis à combien d'énergie? Je suis très faible. Ok, on va regarder si je remonte, si j'en prends. Oui. Ok, bon voilà, on sait comment se soigner dorénavant. C'est quoi ça là-bas? Ah bah ça c'est un sanglier. Je sais pas si c'est des joueurs ou... Des NPC, je pense que c'est des NPC. Ah, j'ai fait un crime, j'ai volé manifestement. Je regarde à droite, il se passe quelque chose.
Ah, ma tête est mise à prix pour 10$, je suis de 8 pièces. Je suppose encore une fois tout ça, mais. Le jeu m'a l'air assez riche, ça c'est bien. C'est sympa les jeux. Alors, plus de contenu que les autres jeux de survie. Ah, tu lag d'un coup. Coton. Ouais, à droite, si je me fais tuer, 10 pièces de récompense. D'accord, c'est mal foutu. Sanglier, à mon avis, si je vais, je me fais défoncer. Bon, vous me connaissez, hein. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vais y aller. Bien lavé, mon petit. Petit. Enfin, petit. Oh, il était nul. Ah, je peux pas ramasser, j'ai trop de trucs sur moi. Drop. Bon. On va retourner tranquillement vers le bateau. Ça devrait faire le plein. En bouffe, en eau, je suis bien. 69. Bon, je suis 21% empoisonné, ça c'est moins bien. J'ai de mon temps, j'utilise pas. Quoi ça? Ah, mais c'est moi qui les ai jetés, c'est mon coton que j'ai jeté tout à l'heure. D'accord. Ah, s'il y aurait du coton encore. Mon situation avec les bestiaux que j'ai tués, je dois pas être mal quoi. Good to see another person on the road. Ok, mes potes bêtes. Après, je vais pouvoir peut-être porter des choses, ça peut être mal. D'accord, je serais plus protégé avec ça. Ok.
Ça va prendre à faire une lance quand même. Bon, on va s'arrêter là pour cette première, partie de la découverte. Mon avis est vraiment positif. J'attendais vraiment un jeu beaucoup moins complet que ça. Alors là, je vois qu'on a quand même quelque chose de très complet. Vous avez vu, on peut pouvoir crafter des maisons, tout ça. Je vais pas trop parler, mais housing, clothing, les armes, le fait d'avoir le vendeur, une carte qui a l'air extrêmement grande à explorer. L'optimisation est pas parfaite, mais c'est pas non plus catastrophique. Je tourne au maximum et je tourne quand même entre 30 et 40 fps avec des petites chaînes entre deux. Le système d'empoisonnement et tout. Dans le jeu m'a l'air bien. Voilà. Donc on s'arrête là pour la découverte. Et comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vidéos découvertes. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!